élu de la nation, le vrai. De fraude massive
qui appelle l'invalidation des résultats et l'annulation du scrutin dans ces cellules. C'est en raison de ces irrégularités flagrantes et manifestes que le président de la CENI et ses collègues du NIR s'opposent à toute investigation qui requiert la vérification des procès-verbaux des bureaux de vote, voire le recomptage des bulletins de vote conformément au code électoral et à l'accord du 24 avril 2015. CAP 2015 considère qu'en définitive, le processus de proclamation des résultats provisoires et leur transmission par le président de la CENI sont sortis de leur cadre légal et qu'une cour constitutionnelle digne de ce nom en aurait tiré toutes les conséquences. L'incident survenu le mardi 28 avril 2015 en direct sur le plateau de la télévision publique togolaise TVT, où le vice-président de la CENI interpellait le président au sujet de la proclamation de la publication unilatérale de résultats non délibérés et non validés en séance plénière, est révélateur d'une crise post-électorale profonde dont les conséquences risquent d'être dramatiques, à l'instar des événements post-électoraux au Togo en 2005 et dans d'autres pays africains. CAP 2015 fustige une fois de plus le coup de force électoral perpétré par le régime RPT Unir et son candidat fort Nyasimbe et rejette totalement les résultats provisoires proclamés à la télévision publique TVT par le président de la CENI, M. Taffa Kabirou, le mardi 28 avril 2015. Il s'agit de résultats frauduleux, préfabriqués et n'ayant rien à voir avec la réalité. Des résultats qui n'ont fait l'objet d'aucune validation en séance plénière de la CENI. Des résultats présentés à l'insu des autres membres de la CENI, notamment du vice-président et à l'insu du président du comité d'accompagnement. Des résultats présentés au mépris des directives pertinentes des chefs d'État de la CEDEAO, de la loi électorale, de la procédure interne de validation adoptée par la CENI et de l'accord du 24 avril 2015. La démarche de M. Kabirou est donc inacceptable et constitue une véritable forfaiture. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre réitèrent leurs remerciements aux populations togolaises pour leur soutien constant et les appelle à se mobiliser pour prendre en main leur destin en défendant courageusement les suffrages qu'elles ont exprimés. CAP 2015 et son candidat Jean-Pierre Fabre invitent une fois encore les chefs d'État de la CEDEAO et la communauté internationale à davantage d'attention à l'égard de la situation créée au Togo par ce nouveau coup de force électoral
perpétrés par les autorités en place au Togo. Faire nommer le 1er mai 2015 le directeur de campagne de Parti Militaire. Je voudrais donc demander humblement